I'm currently 25 kilometers north of Paris, not far from Roissy de Gaulle Airport, at Chennevières-les-Louvres. As you can see behind me, dozens of tractors are blocking the A1 motorway. Farmers are laying siege to Paris, as they put it, at 8 points around the capital, and they say they won't budge until the government gives them more concessions. Aim to starve Paris? No, clearly not. I mean, if you hear about Rungis today, I think it's a very small minority who wants to do that. For now, the idea is just to find a solution, to speak with the government and to have the solution on the points we want, and as explained, to go back on some laws that we find completely ridiculous and unapplicable, and creating for us some problems with the external competition. Is the problem, do you think, the European Union or France? Both, actually. Laws are coming from European Union and we make them worse in France. So at the end, it's clearly difficult to handle. As of now, 90% of the population is with us. I think it's important for us to keep the population with us. Il faudrait que l'une de nos célébrités françaises fasse la même chose que Jeremy Clarkson. Sur la série Clarkson à la ferme, c'est une série Amazon Prime, c'est tout ce qu'il a expliqué, c'est le pourquoi du comment on est là aujourd'hui. Ça a été vos normes à vous, par rapport au Brexit, tout ce que vous avez vécu et aussi les normes environnementales. C'est tout a été expliqué et nous en France, on vit exactement la même chose. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas uniquement une question de l'Union Européenne, alors c'est vraiment juste une question de bureaucratie aussi. De bureaucratie, l'Union Européenne, les agriculteurs anglais ont voté, étaient pour le Brexit à la base. Le gouvernement leur a promis que à la place des ZPAC, ils seront versés par le gouvernement en place. Et finalement, ils attendent toujours après. Voilà. Mais nous on n'en est pas là à vouloir sortir de l'Europe. C'est encore un autre débat. Mais sur tout ce qui est question environnementale, c'est exactement les mêmes choses en France, voire pire. Voilà. Et on est ici aujourd'hui, on en a ras le bol. On est ici pour défendre notre revenu. On en a marre de l'administratif qui est excessive dans notre pays par rapport à notre métier. Aux normes que la France rajoute en plus des normes européennes. On a 140 revendications totales. Donc voilà, on est ici pour 2 ou 3 jours et on ne bougera pas d'ici tant que toutes ces revendications ne seront pas validées par notre gouvernement. Et vous n'avez pas peur d'être trop énervé, les Parisiens, à les bloquer comme ça? Malheureusement, il faut un peu ce qu'il faut, hein. Ça ne nous fait pas plaisir d'être ici. C'est au gouvernement de faire les choses rapidement et on partira le plus vite possible. On a du boulot aussi sur nos exploitations.